Memphis est une chaîne de restaurants américains dans la thématique du diner américain des années 50. L'enseigne a été créée en 2009 et nous comptons aujourd'hui 80 restaurants sur le territoire français. Memphis, en 2018, nous avons démarré la livraison à domicile ainsi que la vente à emporter. Aujourd'hui, nous sommes assez fiers car la moitié de notre parc propose ce service à notre clientèle. Et nous sommes actuellement en pleine campagne de pub télé avec la régie TF1 et BFM Business. Donc notre première apparition à la télé, c'est avec une grande fierté qu'on constate ça tous les jours et on pense que ça va être assez bénéfique pour notre activité. Memphis est un concept très spécial car il est très fort dans la thématique. C'est un vrai décor de diner des années 50. Nous proposons des repas typiquement américains, mais avec une carte aussi variée qui peut proposer des plats français, salades, grillades, pâtisseries, milkshakes, pour un ticket moyen inférieur à 20 euros qui va de 18 à 19 euros. Et nous sommes clairement leader sur le marché français puisque on a 80 restaurants aujourd'hui et la deuxième enseigne de diner en a un peu moins de 10, je crois, qui est juste derrière nous. Il est intéressant de rejoindre notre réseau pour plusieurs raisons. La première, c'est comme je le disais tout à l'heure, nous sommes leaders dans la thématique du diner, qui est un concept très fort et très peu concurrencé finalement. On a une rentabilité qui est intéressante pour les investisseurs, mais aussi une qualité pour nos clients qui consomment tous les jours nos produits et qui nous démontre une certaine fidélité. Je pense aussi aux enfants qui viennent régulièrement et qui tirent régulièrement leurs parents pour venir chez nous. Donc l'aventure Memphis, c'est faire partie d'une famille, vivre à l'américaine et partager ce plaisir. Voilà. Les candidats peuvent avoir tout profil, ça peut être d'anciens cadres qui veulent se reconvertir, changer de vie, comme des jeunes qui veulent se lancer au travers de la location-gérance avec un peu moins d'apport. Les seules qualités qu'il faut détenir, c'est la motivation, démontrer certaines aptitudes à gérer des établissements et des salariés, et puis également être investi dans son affaire et la faire prospérer.